Salut à vous, je vais vous montrer deux façons de détruire les éboulements ici pour libérer le drow qui est pris en dessous. La première façon, ça va être, on va utiliser des explosifs, je vais vous montrer où les trouver, c'est la façon qui est prévue par le jeu. Puis la deuxième façon, ça va être plus comique, là, c'est la façon que j'ai utilisée personnellement, c'est une petite surprise, on regarde ça. Pour la première façon, on vient ici près des radeaux, c'est approximativement par où on est arrivé dans la zone, et il va y avoir une porte ici, une porte métallique, on l'ouvre. Et ici, il va falloir réussir un jet de perception. Perception réussie. On appuie sur le bouton. Et vous allez trouver deux sacoches de poudre à canon ici. Et ça tombe bien, ça vous en prend deux là, pour faire sauter les éboulements. Là, parce que un, c'est pas assez. Mettez-en un. Faites-le sauter, mettez le deuxième, faites-le sauter, mettez pas les deux en même temps, sinon ça sera pas suffisant pour faire sauter les éboulements. Si vous réussissez pas les tests de perception et vous pouvez pas venir ici, ben un conseil que je pourrais vous donner, vous pouvez retourner dans le camp des gobelins, dans la salle où il y avait Aruspia la prêtresse, là, il y a plein de barils de TNT, là, ça va être suffisant pour faire sauter les éboulements. Maintenant on va regarder la façon originale, là. Regardez, avec ma pique de retour, je la lance, 44. Oh, ça a baissé à 40. Je le lance encore. Ça a baissé à 36. Je lance une dague. Ça a baissé à 32. Je lance une potion de soin. Hein. On va soigner les éboulements. On y va, on lance. C'est passé de 32 à 28. Bon, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde la log ici, à droite, vous allez voir que quand je lance quelque chose, disons la dague, ça a infligé 0 point de dégâts perforants. Mais par contre, ça l'a infligé 4 points de dégâts reliés à Bagueur des Tavernes. Bagueur des Tavernes, c'est un trait passif que vous pouvez prendre au niveau 4, puis qui va ajouter des bonus de dégâts à vos attaques lancées à quelques autres types d'attaques. Fait que c'est intéressant. Si on regarde la définition d'éboulement, c'est résistant à pratiquement tout. C'est pas résistant aux dégâts contondants, mais même si je prends une massue, là, que je fais une attaque, mon attaque est la plus forte, 11 à 25. Ben, je suis pas capable de l'ébranler, ça a fait zéro dégâts. Mais si je lance des choses, comme des potions de soin, ben là, je suis capable de la détruire.